like a Hellcat. What's up, Sky 2.0 Maniacs, c'est Sky Redemption. On y va pour l'épisode 19 de Days Gone. Présentement, on poursuit notre petite visite des lieux avec le colonel. J'ai hâte de voir c'est qui le next qu'on va rencontrer. Un dernier arrêt. Bien que j'accorde une grande importance aux travaux du lieutenant Weaver, ce que vous allez voir nous mènera à mon sens. J'espère que ça va être wow! Bon, qu'est-ce que c'est? Madame, j'ai ramené ce qui était marqué sur le formulaire. Non. Ça ressemble à de l'adoucissant pour vous? C'est vraiment elle? Ok, lisez-moi l'étiquette. Moment de vérité. Agent actif. Vraiment. Chloroforme et terpine. Dehors. Dehors. Oui, oui, c'est elle, comment finalement. J'y arrive si je dois m'occuper moi-même du ravitaillement. Je savais qu'elle était en vie, moi, avec. J'avais un pressentiment qu'elle était en vie. Le caporal Saint John. Il vient d'intégrer l'unité de courrier. Il a de l'expérience dans le nom. Juste comme si que Deacon aurait vu un fantôme, puis Sarah aussi. C'est comme réciproque. Quoi? Lisez ça. Vous savez lire, pas vrai? Là, on dirait juste qu'elle fait comme si de rien n'était en avant du colonel. Actif, chloroforme, terpinéol A, alcool benzélique, éthylène acétate. Ça ira. Il commence quand? Je vous laisse gérer. Continuez, lieutenant. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont se dire quand ils vont être seuls. Laissez-nous. Avec toute l'attente qu'on a eue finalement, on le sait, est vraiment garde en vie. Garde à vous. Sarge. Stop. C'est un grand moment. Je pense qu'elle aussi y croyait mort. Non. Non, tu es. Tu es mort. Tu es mort. Je suis bel et bien en vie. Tu es censé être mort. Hey. T'es mort. Ça va. T'es mort. Je suis là. Attends. C'est attends. Cool. Attends une seconde. Je suis larguée, j'arrivais pas à te retrouver. Je croyais que t'étais morte et je... Non, on a été envahis et on a dû partir au sud. Le Nero a dit que personne n'avait survécu. Ferwell était infesté, ils ont dit que tout le monde avait été tué. Je pensais plus. Il est plus haut un peu, quand ils s'expliquent tous les deux. Hé, écoute-moi, on peut se tirer d'ici, partir dans une direction sans se retourner. Allez, viens. Non, non, Deacon. Je peux pas. What the fuck? C'est eux, ils te forcent à rester? Non, tu réalises pas. On est en pleine guerre, là. Tu le vois pas? Et cette guerre, on peut la gagner. Je suis pas venu là pour faire la guerre. Ici, je suis utile. Je peux faire la différence, mais je peux pas partir avec toi. Je dois rester ici. Tout ça pour se faire dire ça. Tu peux rester ici avec moi et m'aider. Ah là, je suis déçu. Écoute, quand ce sera fini, je te suivrai n'importe où. On fera ce que tu veux. Le colonel vous cherche. À vos ordres. Fait que là, on va juste la prendre comme si elle serait notre supérieur, puis on va tout faire ce qu'elle nous demande de faire. Votre formulaire de réquisition. Merci, soldat. C'est pas vraiment à quoi je m'attendais comme retrouvaille. Puis je pense qu'il y a Deacon non plus. Je pense qu'on s'attendait à plus. Là, au moins, on sait qu'elle est réellement en vie. J'espère que en continuant d'avancer dans le jeu, ça va changer, qu'elle va vouloir nous suivre ou nous porter comme plus attention.
Bon, c'est quoi que le colonel a à nous dire? Caporal St. John? Oui, chef. Oui, chef. Entrez. Oui, chef. Je savourais une tisane gentiment offerte par le lieutenant Whittaker. Vous en voulez une? C'est très bon pour la digestion. Non, merci, monsieur. Je cherchais juste le tableau des tâches. J'ai une mission pour vous. Des hommes, caporal. Même s'ils ne méritent plus ce nom. Ils ont enlevé l'une des nôtres. Le lieutenant Justin Norwood. Un très bon élément. Et ils la retiennent prisonnière, alors... ok, j'irai la délivrer, colonel. C'est grâce à des hommes tels que vous qu'on reconquérera le monde. Ce qui est... ça a vraiment mes réelles intentions. Chez moi, c'était pas réellement pour les aider que Deacon allait là, c'était juste pour Sarah, puis il a fessé un mur bien comme du monde. Parce que là, faut qu'il apprenne juste comme un supérieur. Oui, sergent. Puis on va aller parler à Derek Coury, le capitaine Coury, mieux connu sous le nom. Caporal, parfait. J'ai une tâche nécessitant vos talents particuliers. Ouais, ok, chef. Vous vous rappelez Vasquez? Le déserteur? Ouais, on l'a suivi jusqu'à un camp de bûcherons, je m'en souviens. Eh bien, ouais, cet homme, le sergent Lee Anderson, était son partenaire. On s'apprêtait à l'arrêter quand il a tué un garde et pris la fuite. De vrais accros du code de l'honneur, vos hommes. Nos hommes. Groot des déserteurs, puis Groot malade mental, déserte tout juste. J'ai noté sa dernière position connue sur votre carte. Apparemment, comme Vasquez, il n'était pas seul. Génial. J'ai pas à dire, c'est vraiment du monde, pas fiable. À la recherche, il m'envoie dans le No Man's Land trouver du matos pour les officiers qui bossent sur les... Ah merde, ouais, j'en ai entendu parler, ouais, ils bossent sur des armes biologiques, des armes chimiques, des trucs dans le genre. Qui les crame tous, ces mutants, pas vrai? Ah, c'est lui qui me prend pour un prêcheur, ça. Bon, quel nom t'es là, faut que j'y aille. Ok, hey, attends, je voudrais te dire un truc. Écoute-moi. On n'a pas le temps de gosser avec toi, Wade Taylor. La ferraille. C'est pas dans cette cabane-là non plus. Il y aura un moyen d'avoir accès dans celle-là. Si on passe par en arrière, tant qu'à moi, on va pouvoir rentrer. Juste un tout petit accès. En fait, là, gros, je pense qu'on pèse pas 200 livres, on passe à la porte. Ouais. On a des munitions. Et voilà, un kit de test. Hey. On va entrer dans la mine. On va aller chercher des minerais pour Weaver, pour ses expériences en explosif. Et pas mal sus les napalms. Fait qu'on tira pas dans ça. Je pense que j'ai trouvé l'entrée de la mine. Faut juste pousser le camion. Et comme à l'habitude, je suis pas mal sûr qu'on va avoir des petites surprises à l'intérieur. Comme une gang de freakers, par exemple. On vendra pas la mèche, bon, on s'en doute déjà. Prenez okay, le cinabre. Une pierre rouge terne. Du cinabre, c'est nickel. On a trouvé. Ouais, c'est bon pour celui-là. Là, on va rentrer dans le puits de la mine. C'est là, je pense qu'on va savoir comment ça nous en prend. 6. On a déjà un comité d'accueil. Oh oh. La bonne vieille méthode du corps à corps. Excusez, je parlais pas, j'étais juste concentré. Et une autre prime. Ouais, mais je suis pas mal sûr, c'est pas la dernière que tu vas avoir. Là, faut qu'on mette en marche le générateur. Ça doit être pour vider l'eau qu'il y a dans les conduits.
Allez, c'est parti. Oh. Comme j'avais dit, on a un comité d'accueil. C'est pas vraiment compliqué à s'en débarrasser. On a déjà vu à pied plus pire que ça. Burn, baby, burn! Il y en a deux qui ont pas cramé. On a terminé le travail pour cette section-là. Deacon St. John! Hey, tu m'entends, mec? Hey. Taylor, qu'est-ce que tu veux? Ah, bah te voilà! Ok, j'ai enfin compris comment faire marcher ce engin. On a trouvé d'autres minerais. Alors, comment ça va, vieux? Taylor, je suis un peu occupé pour l'instant, alors. Ouais, désolé. Rappelle plus tard. Il paraît qu'il y a de la cam qui entre dans le camp. On passe sous le nez du colonel. De la bonne cam, en plus. C'est quelque chose, à ce sujet? La cam, c'est pas mon truc, Taylor. Alors non, c'est rien, ce sujet. Pourquoi? Non, moi non plus, c'est pas mon truc. C'est juste que j'ai vu un mec, une des nouvelles recrues, comme ça. Bizarrement. Il entre et il sort du camp sans arrêt, alors je me suis dit que j'allais suivre, tu vois. Pour essayer de savoir, c'est une manigance. Taylor, on va les cramer. On va plutôt parler à toi. Laisse-le s'en occuper, d'accord? Ouais. Comment est-ce qu'on a... C'est une très bonne idée. Dans le fond de la caverne aussi. Ok, monsieur Saint-Jean. On va avoir le troisième échantillon. Terminé. Et voilà, du cinabre. Oh putain, Taylor, le cinabre. Je disais du minerai. C'était le dernier. Je devrais écouter, des fois, quand il parle. Si la pompe marche encore. Faut plus de minerai. Ouais, nickel. C'est du cinabre et également c'est du minerai, fait que je m'avais pas trompé. Le minerai et que vous le cassez en vitesse. Ouais, encore un tout petit peu. Ça suffira pas. Il faut plus. Ça sert d'un ascenseur. Une cage d'ascenseur. Oh la vache, je me demande où ça mène. Il y a je pense qu'on va le savoir pour sortir de là, je suis pas mal sûr. Okay. Ça a l'air d'être la seule issue. À plein dans l'œil. C'était à gore, mais extra. J'ai pas l'air d'avoir de minerai dedans. Et voilà. La grotte telle qu'elle à ce ici point-là. Radio Libre Oregon. La vérité vous libérera. Là, tout de suite, on a trouvé le quatrième échantillon. Il en manque plus que deux. Mais n'allez pas les sous-estimer. Quand même bien été pour l'instant. Les gros pas sauver les affamés ou leurs précieux électeurs sans qui ils seraient jamais arrivés au pouvoir, non. Ils ont sauvé l'élite, les hommes et les femmes qui ont joué le jeu. Il devrait en avoir un autre dans ce coin ici. Ah, sous terre. On l'a. Ça va juste nous en manquer un. Nous, on est dehors à souffrir et à crever. Okay, tout ça pour que les fédéraux puissent recommencer à zéro. C'est comme lui, c'est nickel. Allez, plus qu'un. Mais il y a une chose qu'ils ont pas prise en compte. On n'est pas aussi con qu'ils le croient. Ça dépend des fois. Puis le cinquième. On l'a trouvé. Le sixième, je veux dire. Il reste plus qu'à le tester. On a tout ce qu'il nous faut. C'est bon. Il faut qu'on quitte la mine. Je suis pas mal sûr que c'est pas le genre d'ascenseur que j'ai vu tantôt. On va remettre en marche le générateur. Je sais pourquoi il marchait plus. Et c'est parti. On sac notre camp de là. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Un autre tunnel. On dirait que celui-ci a été abandonné il y a un bon bout de temps. Ouais, c'est sûr que ça a l'air à vraiment faire longtemps que il n'y a pas grand-chose qui se passe là. Une balise du Nero, ici. Ça, on cachera pas dessus, Paris. Je m'attendais à pas vraiment trouver une balise un autre injecteur du Nero là. Cool.
Ça va en faire un. Un de moins à chercher vous. Ah. Je me sens déjà plus fort. On a un autre enregistrement aussi. Ouais. Ouais, c'est ça. Note de terrain 2072. Nous sommes sur le site 69. Là, on est où là? La mine de la cabane perdue. Oui, merci. Ici Saint John. La mine de la cabane perdue. Ici Nabre. Nous avons euthanasié un spécimen d'Homo sapiens mutant. Alors là, il y avait plus Weaver. En même temps, on a l'enregistrement qui joue, c'est qu'on va figurer un pied deux. Vous en reste? 6000 mg de kétamine suffisait à peine à maîtriser l'Homo sapiens mutant albinos. Nous avons poursuivi ce sujet depuis son habitat d'origine, dans les structures de la rivière de Crater Lake. Allez vous faire ce qui était autrefois, je pense, l'accueil des visiteurs de ça. Actuellement, nous n'avons pas de théorie valable quant aux habitudes. Le lieutenant Whittaker vient d'envoyer se faire foutre Weaver. Pourquoi il est aussi balèze? Vous avez une théorie là-dessus? Eh bien, pour tout vous dire, oui. Sérieux? Oui. Et c'est quoi? Les examens de sang ont révélé que l'Homo sapiens mutant corporosus possède des quantités extrêmement élevées de stéroïdes anabolisants. Attendez. Sérieux? Alors quoi? Avant d'être infecté, il faisait du bodybuilding? En gros, oui. Non pas qu'il s'agissait vraiment de bodybuilders qui se dopaient aux androgènes synthétiques, mais certains devaient sûrement avoir à des niveaux élevés. Le résultat est le même. Ah ouais? Et c'est quoi? Ils peuvent littéralement vous déchirer en deux. Bon, allez. Ça, c'est pas bon signe. Je suis pas mal sûr qu'on va falloir qu'on affronte éventuellement. Lieutenant? On a ton cinabre, tes minerais. Mec, vous pouvez laisser ça à la porte. Non. Non, je parlais du protocole militaire. Ah. Ok. Je crois que j'ai ce que vous cherchiez. Ok. Ouais. Ça ressemble à ça. Super. Hey. Attendez une seconde. Tenez. Va falloir tourner en expédition pour un autre appel. Vous savez, des trucs qui servaient à fabriquer des gobelets ou en sachet des cacahuètes, vous voyez? Ouais, je vois. Et en fait, comment ça s'est passé? Avec la sorcière de Wizard Island? C'est Sarah qui appelle d'amis. Avec le lieutenant Whittaker? Wow. Je croyais qu'on avait dit d'oublier le protocole de minute. Ce sera tout, caporal. Ce sera tout. Lui, je pense qu'il... l'a juste pas pris, parce que... la sœur de West Island... en réalité, c'est Sarah. Fait qu'elle doit avoir quand même un bon tempérament. Ou... qui a essayé de se la faire, un des deux. C'est pour ça qu'il l'appelle comme ça. Là, on est revenu à la mission pour le capitaine Coury. On recherche Vasquez. Anderson, excuse. Il me semble que je me trompe souvent dans cet épisode-là. C'est pas grave. Au moins, on a les instructions qui nous ont remis sur le chemin. Il y a un cerf. Je vois pas vraiment d'indice présentement qui me dit une piste où Sick Anderson est. C'est ça. Oh, je pense que... Oh! Par où? Oh putain! C'est Anderson qui traîne comme ça. Mais comment je vais récupérer ma prime, moi? Il serait fait, apparemment, attaqué par des loups. Fait que ça se peut qu'on le retrouve pas en vie. On va-tu avoir notre prime pareil, juste pour s'être déplacé? J'espère que oui. Ok. Si je regarde la map, on s'enligne vraiment vers le bon chemin. Je sais pas qu'est-ce qu'il pourrait y avoir par derrière. Ah. Une grotte de dead coyotes. Un camp plein de squatteurs. Wow! On s'est déjà fait attaquer, fait qu'on s'en doute de qu'est-ce qui est arrivé à Anderson. Il ne doit plus être vraiment en vie. En plus, on a une balise du Nero. Oh merde, une bug larme. Nous, on ne voyait pas pareil parce qu'on est derrière la chute. Pile ce qu'il me fallait. Oh yeah! C'est sûr qu'on dira pas non.
ça devrait faire l'affaire. Oh, quel feeling. What a feeling. 463. Nous sommes sur le site 301. La grotte de lave du coyote mort. Un nom bien ironique. On va avoir plus qu'un coyote. J'ai l'impression qu'on va se faire attaquer de tous bords, de tous côtés. Je voudrais interroger l'un de vous, les mecs. Les mecs? Ouais, vous savez, les gars de la section de recherche. Comment on fait le virus pour, comment dire, sauter? Vous voulez dire, comment il passe d'une espèce à l'autre? Ouais, on l'a vu sur des chats, des chiens, recherche. Des oiseaux, ces loups. Je croyais pas que c'était possible. Ah. Savez-vous ce que c'est? Je pensais que c'était un indice, mais finalement, c'était juste un chiffon. Pensez à la rage. On a trouvé de la ferraille. Comme le virus organe. La rage serait Ouais, là, vraiment fait chier, lui. Essentiellement les mammifères, les cultures en laboratoire ont montré qu'ils pouvaient aussi infecter les oiseaux, les reptiles et même les insectes. Savez-vous combien il existe d'espèces de mammifères dans le monde? Beaucoup, j'imagine. Là, on a trouvé... Oui. Beaucoup. What the clue? 5480, pour être exact. Toujours à m'avoir au moins une couple de fois, avant que je puisse les frapper. C'est chiant un peu. Singes, marmottes. Eh oui, les loups peuvent être affectés et transmettre. Là, on cherche encore Anderson. J'ai aucune idée. Dans la grotte exacte. Oh. J'ai trouvé un passage que j'avais pas vu. Encore. On va l'explorer. On va se débarrasser du loup qui est en face de nous. Il n'y avait pas accès pour venir nous attaquer quand même, fait que c'est sûr qu'on va faire qu'on aille dans cette section-là. C'était mieux de s'en débarrasser tout de suite. Ça va m'aider. Puis on peut pas passer par là. J'aurais pensé le contraire, c'est pour ça que j'étais content un peu. Mais ça veut dire qu'il faut qu'on trouve un autre passage. T'es où, passage? Hey, on l'a trouvé finalement. Ah, ça, c'est le loup qu'on avait tué de l'autre côté. T'as toujours ton brassard dans la milice. Là, on vient de trouver Anderson. Fait que là, on va ramener la preuve de sa mort. Ou si on va avoir nos crédits quand même. Son brassard de la mélisse. Wouhou. Oh merde, un rageur, putain. On n'a pas le temps de vraiment de gosser avec le rageur présentement. Là, on se fait un petit camp. T'es mort. Pas exactement lui qui se trouvait, mais il nous a fait mal. Et lui, à cause de ça, il va mourir. Il est où? Encore une UMM. Qu'est-ce que le ça commence à faire, là. J'essaie de se cacher un peu pour pas se faire au moins toucher. Allez. On a de la santé en masse pour se curer, mais. Va le chercher. Oh, bye. C'est votre chief, pas vrai? Lui, il nous a même pas vu, il était doux, il pensait qu'on était en face. Il était complètement dans le champ. Il s'est fait toucher, puis oh, deux secondes après, il a revolé. Merde, presque il avait court. Oublié de tomber. Ouais, il en a encore. Quoi? Des mutants? Espèce d'enfoiré! Ça veut dire quoi, des mutants? Faut tout, je les entends. C'est pas bon signe. Fuck! Stood up!
mais je pense qu'on n'est pas prêt tout de suite. On va juste se sauver. C'est d'en tirer le plus possible pour les faire blower en même temps. Oh, on les a. Wow! Je sais pas comment tu peux vous en repérer tout de suite, hein. On a plusieurs qui nous suivent. Et on n'est pas vraiment habitué avec les hordes. Je l'ai pas vraiment fait jusqu'à présent. Je l'ai fait une coupe. Mais pas énormément. C'est là qu'on va prendre notre expérience. Avec l'explosion, on a eu pas mal. Je vais passer de l'autre côté. Come on! Reste à terre. Il y en reste, mais pas énormément. On va s'ouvrir le moyen de s'en débarrasser. Et de 1. 2. Un autre. Wouhou! Je pense qu'on les a pas mal toutes eues. Je pense. Mais j'en entends encore. Eh ouais! Là, on saoule. Elle bombe à ta balle, là. Là, c'est là qu'on fait des home runs. Couchez, j'ai dit, couchez! Fait que là, on va aller voir pour le bunker. Mais avant. Parce que là, tout de suite, on a le bunker en plus d'un héros. Fait que là, c'est vraiment deux affaires qu'on veut à même place. Fait que on va checker pour les deux. Il y a vraiment beaucoup de ressources aussi qu'on peut checker. Là, on va se débarrasser des haut-parleurs en première étape. Un autre. Et coupe les fils pour le copper. Fait chier. Les plombs sautés. C'est quoi ça veut dire ça? Qu'il va falloir trouver un fusible en plus. Là, j'ai décidé, on va aller voir le bunker. Après ça, bon, on va s'occuper du l'éjecteur du Nero. J'ai hâte de voir c'est quoi qu'on va trouver dans ce bunker-là. J'espère qu'il y aura de quoi qui va vraiment nous servir. Je sais que je le dis à chaque fois, mais il y a des affaires qui m'ont déçu. D'autres affaires que j'étais extrêmement content d'avoir. Ah! On a trouvé la map. Ça peut servir. Une carte avec des notes. Kind me! J'ai pas eu le temps de lire. Je prends. De toute façon, ils en auront plus besoin. C'est intéressant. On va faire avec. Qu'est-ce que c'est qu'on a trouvé? Là, il nous reste juste à s'occuper du Nero. Puis je pense qu'on a tout fait. Qu'est-ce qu'il va y avoir à cet endroit-là? Un petit réveil. Puis on va se débarrasser des haut-parleurs dans les poteaux. Voilà le générateur. On va vérifier. On n'est jamais trop prudent.
à chaque fois qu'on trouve le générateur aussi, il est toujours vide de gaz. Fait que. Il a marché jusqu'au temps qu'il en manque. Grosse chance qu'on en trouve pas loin. T'en avais bien besoin. Igloo. Et voilà. En plus, faut lui qu'on le répare. Foutu. Et on a le feu vert. Au sens qu'on avait de la ferraille. J'aime pas la petite musique. Pas de courant, bien sûr. Il nous manque le fusible. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Je suis pas mal sûr. Je pense que je sais où qui se trouve. On a tout fusible. Ce qui nous prend pour entrer dans le Nero. Pour avoir finalement notre injecteur. Puis on a fait un camp. On a fouillé le bunker. Voilà, on a fait le Nero plus une horde. Mais je suis pas sûr qu'on a tout exterminé la horde parce qu'il n'y a pas rien qui a apparu que la horde était complètement détruite. On va y revenir. Wow, ça sonne comme une brute. Super ce truc. T'es sûr? Fais un petit peu d'exploration. Après ça, on va aller porter la preuve au capitaine Coury que Anderson est vraiment rayé de la carte. Décédé. Capitaine, c'est tout pour l'épisode 19 de Days Gone. J'espère que vous avez apprécié. On a retrouvé Sarah, mais c'était pas les retrouvailles qu'on pensait qu'elle allait se passer. Mais là, on va faire des. Jouer le petit jeu un peu, là, avec elle fait des missions, mais j'espère qu'elle change des moments d'année. Merci bien, Caporal. Qu'elle se rende compte que, tu sais, des fois, il n'y a rien qui arrive pour le rien. Fait que beaucoup d'actions à venir dans l'épisode 20. Fait que peut-être des missions avec Sarah. Je vous en dis pas plus. Je vous laisse là-dessus. Salut, gars!